Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on Mais vous savez, j'avais un président qui disait le championnat c'est bien, mais moi ce qui m'intéresse c'est la Coupe d'Europe. C'est Bernard Tapie. C'était Bernard Tapie, parce que la première fois, c'est une anecdote, que j'ai été le voir, c'était à Paris, et il m'avait dit, bon, j'étais à Bordeaux l'année d'avant, on avait terminé à un point de Marseille, qui a été champion à l'époque, et il m'avait dit, bon, tu m'as assez taquiné l'année passée, il a dit un autre mot, mais enfin, je ne veux pas le dire. Hein? Hein? Vous pouvez vous lâcher. Hein? Hein? Il m'a dit, tu m'as assez fait chier l'année passée, c'est pas difficile, tu vas venir chez moi. J'étais chez lui et il m'a dit, moi, je cherche un entraîneur pour gagner la Coupe d'Europe. J'ai dit, président, quelle Coupe d'Europe? Parce qu'il y a trois coupes. Il y a la coupe, la coupe de l'UEFA et la coupe des champions. Alors ? Et il m'a répondu, pour qui est-ce que tu me prends ? Il n'y a qu'une coupe, celle avec les grandes hanches. All the leaves are brown. Comment étaient vos rapports avec Bernard Tapie? Oh, mais très bien, très bon rapport. Vous savez, bon, téléphonait souvent. Plein milieu de la nuit? Même la nuit, hein, la nuit, je téléphonais à 2-3 heures du matin. Il me disait, tu dors? Et je dis non, mais quand même, il est l'heure. Tu vas tenir. Et alors, je dis, moi je travaille, il me disait. Oh, je regarde en Argentine le match, je dis, sur quelle chaîne? Moi je dis encore, bêtement, je dis, sur quelle chaîne? Ah, mais sur mon satellite. Ah oui, moi je ne suis pas si riche, président. Moi j'ai que la première, la deuxième et la troisième chaîne. Hein, le satellite, moi je n'ai pas. Lui, vous appelait Lui m'appelait, lui c'était pas difficile. Quand il était content, c'était Raymond. Et quand on n'avait pas trop bien joué, mais qu'on avait gagné, c'était le Belge. Et alors il me disait, bon, tu fais tout ce que tu veux, si je perds, je te fous à la porte, il me disait. Et alors je lui disais, ben c'est pas difficile, à 9h30 j'ai un avion. Le billet était prêt. Il me mettait comme ça à la porte trois fois par semaine. Trois fois par semaine pendant 3 ans. Bravo. J'ai été 33 ans sur le banc. Vous avez même remporté le titre du banc d'or. Oui, j'ai eu le banc d'or. Ça correspond à quoi ce titre? Eh bien, le banc d'or, c'est un titre qui était donné par la presse italienne. Et j'ai eu le banc d'or devant Capello, devant Robson, devant Cruyff. D'ailleurs, ils ont donné même pour ça un genre de diplôme, pour avoir été finaliste de la Coupe d'Europe, qu'on avait perdu. Parce qu'on avait perdu, le 0-0. Finaliste de la Coupe de France et champion de France, et surtout pour le spectacle présenté. J'ai eu deux bancs, le banc d'or et le banc d'argent. Et vous avez suivi cette semaine le match Manchester Je crois que Marseille a fait le match qu'elle devait faire. D'ailleurs, je ne comprends pas, et je dis ça comme c'est, que des clubs comme Barcelone, comme Manchester, qui travaillent avec un budget de 5 milliards de francs belges, eh bien, que Berthez est encore à Monaco. Demain, je suis entraîneur de ces deux clubs, la première chose que j'exige, c'est un grand gardien. Parce que sans grand gardien, vous ne faites jamais rien. Quand tu vois jouer le gardien de Manchester à Marseille, il ne sait même pas dégager un ballon du pied. Tu arrêtes, hein? Bien sûr. Je crois avoir réalisé ce que...
avoir réalisé même des choses que je n'espérais pas. C'est vrai? Oui. Vous savez... Le football, la... ça veut bien. Mais, oui, la carrosserie est encore bien, mais le moteur à les kilomètres... Oh. And I think to myself, what a wonderful world. See skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.